Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli sac. Voilà. Donc, c'est un sac très tendance en ce moment, vous savez. Et regardez comme il est joli, il est fait en spirale. Donc, ce qui lui donne... Il est vraiment facile. Alors déjà, même si vous débutez, je vous assure, vous pouvez le faire. C'est que des mailles serrées. Voilà. Donc, c'est très, très facile à réaliser. Mais le résultat, il est vraiment super joli et super tendance puisque cet été, la mode des sacs ronds continue. Donc, je vais vous donner les mesures avant de commencer. Alors, il fait... Donc, si vraiment je vous prends la moitié de chaque côté, il fait 35 cm. Vous voyez, 35 cm. D'ici, toujours pareil, 35 cm puisque c'est un cercle. Et donc, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, il a une très bonne taille. Je lui ai mis ses poignées en bois qui lui donnent un charme pas possible. Ça fait ressortir le 3 pixels. Et un bouton clipseur à l'intérieur pour fermer et pour pouvoir ouvrir le sac à souhait. Donc il n'est pas très lourd puisque ce sac est fait en fait avec une pelote et un tout petit peu de 3 pixels. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin de deux pelotes de 3 pixels. Vous voyez, de la couleur de votre choix. Un crochet numéro 7. Du fil à coudre avec un bouton clipseur. Que vous pouvez trouver dans notre boutique. Ce sont des boutons clipseurs de 19 cm qu'il faut. Vous voyez, de 19 cm. Un ciseau, une aiguille Allen avec un gros trou, vous voyez. Et les anses que j'ai utilisées, je vais vous marquer le lien juste en dessous. Donc ce sont celles-ci qui vont super super bien avec le sac. Donc ce sont, vous voyez, en bois. Elles sont vraiment trop belles. Donc voilà ce qu'il vous faudra pour réaliser ce sac. Alors, tous les matériaux que je viens de vous nommer, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Sur ce, oui, on peut commencer. Ce joli sac super tendance, je vais vous le faire cadeau. Donc, vous allez voir, vous allez l'adorer l'utiliser. Il est vraiment trop, trop, trop beau, à la mode. Donc, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc, tout simplement pour participer, pour que je puisse choisir quelqu'un, évidemment, savoir qui va remporter ce sac, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com, donc vous avez le lien ici. Et toutes les commandes que j'aurai reçues de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vais vous marquer juste là, je prendrai tous ces numéros de commandes, je les mettrai dans le logiciel Pickout, je tirerai au sort un gagnant ou une gagnante et cette personne recevra chez elle ce joli sac. Voilà, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Bonne chance à tous et à toutes. Sur ce, oui, on peut commencer. Vous allez voir, il est vraiment facile. On va commencer ce sac. Donc, tout simplement, vous allez faire un nœud coulant. Donc, comme pour les amigurumi, vous prenez le petit morceau, vous voyez, de 3 pixels. Vous le faites tourner autour de vos doigts. Et vous croisez. Maintenant, vous passez le crochet. Regardez. Ici. Vous récupérez ce morceau avec le crochet et vous le faites passer. Une fois qu'on a fait ça, vous lâchez en maintenant bien le croisement, vous voyez. Et avec le morceau qui est relié à la pelote, vous faites une maille en l'air, regardez. Là, on est prête pour commencer à travailler. Donc maintenant, dans ce nœud coulant, que vous pouvez un petit peu serrer si vous voulez, on va faire 6 mailles serrées. Donc vous faites une... 2, 3, 4, 5, et on va faire notre sixième maille serrée. Maintenant, vous venez avec le petit morceau du nœud coulant et vous serrez de toutes vos forces. Donc, il faut vraiment que le trou disparaisse complètement. Mais vous pouvez y aller, c'est du 3 pixels. N'hésitez surtout pas quand vous tirez dessus. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir travailler en circulaire à partir de là. Et on va venir travailler dans les petites boules qui se trouvent derrière. Vous voyez, en fait, tout le sac, on va venir piquer le crochet dans les petites boules, vous voyez, qu'il y a derrière les mailles. Donc, on commence. On va venir se placer derrière la première maille. Donc, vous voyez la première maille ici. Et derrière, vous venez la chercher. Il y a une petite boule qui est là. Vous voyez? Cette petite boule, on va venir introduire le crochet dedans. Et faire deux mailles serrées ici. Donc, on fait une. Et au même endroit,
une deuxième maille. On va dans la maille suivante et on recommence. On vient derrière prendre cette petite boule et vous faites une et une deuxième exactement au même endroit. De nouveau, on recommence. Une, deux. De l'autre côté, pareil dans la boule, toujours une, deux. Jusqu'à arriver en fait au point de départ. Et à la fin, en fait, vous allez avoir 12 mailles serrées puisqu'on fait des augmentations dans toutes les mailles. Donc on continue. Essayez toujours d'avoir la même tension dans votre travail. Et ça ne sert à rien de serrer le plus possible puisque de toute façon, le trapixel est dur, vous voyez. Donc pas la peine de serrer, pas possible. Vous travaillez souple normalement. Donc là, une et deux. Donc ici, on a la première augmentation. Donc le troisième rang, comme vous pouvez voir, j'ai un autre vernis évidemment, puisque j'ai dû refaire la séquence, parce que j'avais perdu le rang numéro 3. Donc tout simplement, regardez le rang numéro 3, vous allez venir ici, donc dans la première maille, vous voyez. Ne vous trompez pas, la première petite boulette qui est sur le bord ici, c'est la boulette de la maille en l'air. Donc vous venez vraiment dans celle-ci, et vous faites une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Une, et au même endroit, une deuxième. Vous allez venir marquer tout de suite la première des deux que vous avez faite. Donc vous venez et vous venez marquer. Maintenant, on va venir faire une maille serrée individuelle et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Vous allez alterner tout votre rang, vous voyez ? Une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. Une augmentation, donc deux mailles serrées dans la même maille, une, et au même endroit vous faites une deuxième. Et dans la maille serrée suivante, dans la petite boule, vous voyez, une maille serrée individuelle. Vous allez faire votre tour comme ceci, à la fin du rang vous aurez 18 mailles serrées. Et vous allez voir qu'on va terminer par une maille serrée individuelle à la fin. On va terminer le rang par une maille serrée individuelle dans la dernière petite boule. Maintenant, une fois qu'on en est là, voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, ça fait super joli. Ça va tourner en fait non-stop sur lui-même. Maintenant, on va passer au quatrième rang. Donc le quatrième rang, vous enlevez le marqueur. Et on va venir commencer par une maille serrée individuelle. La première maille serrée du rang, vous venez. Et vous venez donc la piquer et la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, vous venez faire une augmentation. À partir de ce moment, donc de maintenant, la séquence qu'il faut répéter, c'est deux mailles serrées individuelles. Donc une. Deux. Et dans la maille serrée suivante, ici, vous voyez, dans la boule toujours, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. On recommence ensemble. Deux mailles serrées, donc une et deux. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. Jusqu'à terminer tout votre rang où vous aurez 24 mailles serrées. Et à la fin, vous allez voir qu'on va terminer par une maille serrée individuelle. Je suis en train de terminer mon rang. Regardez, j'ai quasiment terminé. Voilà ce que vous devez obtenir donc à l'heure qu'il est. Maintenant, vous terminez, comme je vous disais, regardez, il ne nous reste qu'une seule petite boule de libre qui est là. Donc là, vous terminez par une maille serrée individuelle. Et en fait, avec la première, on avait commencé par une maille serrée, une augmentation. Avec la première et la dernière, on a la séquence qui continue. Je décale mes augmentations de façon que ça ne fasse pas, en fait,
voyez, des côtés en fait pointus. Je veux que ça reste bien rond. Donc maintenant, après le quatrième rang, on va commencer le cinquième. Et le cinquième, vous commencez avec une augmentation. Donc vous allez faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et la première des deux mailles serrées, on va venir la marquer. Puisque c'est la première du rond. Maintenant, on suit avec trois mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, et là on fait une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. De nouveau, trois mailles serrées, une augmentation, trois mailles serrées, une augmentation, etc. jusqu'à terminer le rang. Et vous allez terminer par les trois mailles serrées. J'ai terminé complètement, vous voyez, tout le rang. J'ai terminé par trois mailles serrées individuelles. Maintenant, on va venir donc commencer le sixième rang. Donc, à la fin du cinquième rang, vous avez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire 3 mailles serrées. Donc, la première des 3, vous la marquez, c'est la première du rang. Maintenant, on fait une deuxième. Et on fait une troisième maille serrée. Et maintenant, vous faites une augmentation. Une. Deux mailles serrées individuelles. Maintenant, après ça, la séquence que vous devez répéter, c'est quatre mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, quatre, et là de nouveau une augmentation. Donc vous venez faire deux mailles serrées dans la même maille. Une, 2. Alors que ça fasse, vous voyez que ça retrousse vers l'extérieur, c'est normal. Hein? Après, ça va devenir normal, ne vous inquiétez pas. Si vraiment ça vous gêne, vous faites ça, regardez. Vous voyez, vous l'étirez un petit peu. Il revient à sa forme, hein? Ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, ça reste droit. Donc on va continuer. Après l'augmentation, de nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, derrière, dans la petite boule, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à terminer complètement votre rang où vous aurez 36 mailles serrées. J'ai quasiment terminé le rang, donc vous voyez, j'ai fait 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. J'arrive ici avec une augmentation et il me reste une maille. Donc dans la dernière maille, on fait une maille serrée individuelle. Et en fait, ça complète la séquence du début parce qu'on avait commencé par 3 mailles serrées. Donc 3 plus 1, 4. Maintenant, on va commencer le rang numéro 7. Donc on enlève le marqueur. Et le rang numéro 7, on va faire une maille serrée individuelle. Donc on fait notre première maille serrée et cette maille serrée, vous la marquez de suite. Dans la maille serrée suivante, on va faire une augmentation. Après l'augmentation, on reprend la séquence qu'on va suivre tout le rang. C'est 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et 5. Après les 5 mailles serrées, on vient dans la maille serrée suivante, donc derrière dans la petite boule, et on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et à partir de là, ce que vous devez répéter, c'est 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout votre rang. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 7, donc j'ai terminé par 4 mailles serrées individuelles. Donc maintenant, le rang numéro 8, on va enlever le marqueur et on va faire 6 mailles serrées individuelles.
Donc, une. La première, on la marque de suite. Maintenant, on fait la deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. Après les six mailles serrées, vous faites une augmentation. Et ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre tour. Donc, 6 mailles serrées, une augmentation, tout le long. Et à la fin du rang, vous allez voir, vous allez terminer par une augmentation. J'ai terminé le rang numéro 8. Donc, maintenant, le rang numéro 9, on enlève le marqueur. Donc, j'ai terminé le rang numéro 8 avec 48 mailles serrées. Donc, le rang numéro 9, on commence avec 4 mailles serrées individuelles. Donc, derrière, toujours dans les petites boules. Vous voyez qu'on a ici, on vient chercher la première boule et on fait la première des 4 mailles serrées individuelles. La première, n'oubliez pas, il faut toujours la marquer. Maintenant, on fait la deuxième. On fait la troisième et la quatrième. Maintenant, après les 4 mailles serrées, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, après ça, la séquence que vous devez répéter tout le long, c'est 7 mailles serrées individuelles. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième individuelle. Après les 7 mailles serrées individuelles, on fait une augmentation. Donc ici, dans la boule de derrière, vous faites 2 mailles serrées. Donc une et la deuxième maille serrée. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter, vous, tout votre rang. Donc, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous allez voir qu'on va finir par 3 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, on aura 54 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 9, donc par 3 mailles serrées individuelles. Maintenant, le rang numéro 10, on enlève le marqueur et on va faire une augmentation donc au départ déjà. Donc, 2 mailles serrées. Dans la même maille. Après l'augmentation, donc déjà on va marquer la première de ces 2 mailles serrées, puisque c'est la première du rang numéro 10. Donc on la marque. Après l'augmentation, on va faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Après les 8 mailles serrées individuelles, vous allez faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et de nouveau, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Après les 8 mailles serrées, de nouveau une augmentation. Donc dans la maille serrée suivante, ici dans la boule, 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer le rang, vous aurez 60 mailles serrées. J'ai terminé tout le rang numéro 10.
Donc, vous terminez bien par 8 mailles serrées individuelles, parce qu'on a commencé par l'augmentation. Maintenant, on va passer au rang numéro 11. Donc, le rang numéro 11, qui pour moi va être le dernier, mais je vais vous dire quand même quelques rangs, vous dicter quelques rangs, si vous voulez continuer le sac, vous voyez. Tout dépendra aussi donc, du trapixel. Imaginez-vous qu'il est un tout petit peu plus fin que le mien, ou un peu plus épais, donc vous savez que vous devez faire moins de rangs. S'il est un petit peu plus fin, plus de rangs. Donc, je vais vous les dicter. De toute façon, ça, après, vous continuez. Voilà, c'est peu importe. Donc, le rang numéro 11. On commence par 6 mailles serrées. 1. 2. Donc, déjà, la première, je la marque. Maintenant, je fais ma troisième. Quatrième, cinquième, sixième. Après les 6 mailles serrées, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, après ça, on va prendre la séquence qu'on va devoir répéter tout le rang. Donc, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Après les 9 mailles serrées, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète. 9 mailles serrées, vous allez faire 9 mailles serrées, une augmentation, etc. jusqu'à terminer tout votre rang. Et à la fin de ce rang, vous allez avoir 66 mailles serrées. Donc comme je vous expliquais, moi je vais m'arrêter donc à la fin de ce rang. Et juste quand j'aurai terminé, je vous expliquerai, je vous dicterai les rangs si vous voulez continuer. Donc j'ai terminé tout le cercle. Donc moi là, ça a la bonne grandeur que je voulais. Donc si vous voulez continuer les augmentations, donc je vous dicte les rangs. Donc là, nous, on a terminé avec le rang numéro 11, où on faisait les 9 mailles serrées, une augmentation, etc. Et donc, à la fin du rang numéro 11, au fait, avant que j'oublie, j'ai terminé par 3 mailles serrées individuelles. Maintenant, le rang numéro 12, si vous continuez, vous faites 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ensuite, la séquence qu'il faut répéter, c'est 10 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. Et vous terminerez par 7 mailles serrées individuelles, ce qui vous donnera 72 mailles serrées. Le rang numéro 13, si vous voulez continuer, donc vous commencez par 9 mailles serrées, ensuite vous faites une augmentation. Et la séquence qu'il faut répéter ensuite, tout le tour numéro 13, c'est 11 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Et à la fin du rang, vous terminerez par 2 mailles serrées individuelles, ce qui vous donnera 78 mailles serrées. Le rang 14, toujours si vous voulez continuer plus grand, vous allez faire 4 mailles serrées, donc pour commencer, et ensuite vous faites une augmentation. Ensuite, tout le rang, c'est 12 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, etc. Et vous allez terminer par 8 mailles serrées individuelles, ce qui vous donnera 84 mailles serrées. Voilà. Je ne pense pas que vous aurez besoin de plus de rangs d'augmentation. Je ne pense vraiment pas. Ensuite, si c'est pour une petite fille, vous voyez, vous pouvez le faire plus petit, le sac. Par exemple, vous arrêtez vers là. Vous voyez, ou par là, voilà. Vous faites, par exemple, 2-3 rangs de moins. Et ça sera pour une petite fille. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on a le nombre de rangs donc d'augmentation nécessaire pour avoir, vous voyez, le diamètre que vous voulez. À ce moment-là, on va faire un seul rang, vous voyez, en travaillant les mailles serrées individuelles. Donc, vous enlevez le marqueur et on commence dès la première, vous voyez, ici. On va commencer à travailler en mailles serrées individuelles. Donc, dans chaque maille derrière, vous faites une maille serrée individuelle. On commence avec la première. Et cette première, on la marque de suite, vous voyez. Ensuite, vous venez, vous faites une deuxième, etc. Toujours pareil, hein, en fait, hein, en prenant le derrière, vous voyez, de chaque maille, mais en travaillant cette fois-ci en mailles serrées individuelles, tout simplement. J'ai fait donc... Que je vous explique un petit peu, vous voyez, j'ai travaillé droit, mais j'ai pas fait tout le rang en entier. Donc regardez, je vous avais mis une petite note en haut. Donc j'ai fait, au total, j'ai laissé libre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. Je les ai laissées libres. Vous voyez, c'est ici en fait l'ouverture pour pouvoir clipser, etc. Tout le reste, vous voyez, est levé maintenant. Donc on a un petit bord. Vous voyez? Donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est prendre les ciseaux. Donc vous, bien sûr, vous laissez le nombre de mailles que vous voulez. Hein. Ça dépendra aussi le rang des augmentations. Si vous voulez exactement le même que moi, vous laissez les 15. Donc maintenant, vous faites une maille en l'air et on tire fort notre fil. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est un deuxième, vous voyez, exactement ce qu'on vient de faire, une deuxième partie identique. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'ai mes deux morceaux au total. Maintenant, on va tout simplement passer à la couture. Donc, vous devez vous munir d'une aiguille à laine avec le gros trou pour passer le trapixel à l'intérieur. Je me suis préparé donc tout ce qu'il fallait. Vous voyez, j'ai mis... En fait, le deuxième morceau que vous allez faire, vous devez le couper, en fait, très long, le fil. Comme ça, vous pouvez coudre avec. Donc, maintenant, on va tout simplement venir coudre ces deux parties ensemble. Et comme je vous disais, vous devez mettre en face, vous voyez, cette partie, donc ici elle est 15, et ici pareil, ici vous avez le marqueur, venez coudre à partir de la maille qui est marquée, donc celle-ci avec celle-ci. Donc vous allez venir tout simplement, vous voyez on est accroché ici de ce côté, on va venir passer l'aiguille, regardez, et attraper, nous placer en fait, ici en attrapant la maille serrée, vous voyez, je passe mon fil. Et là, je suis prête pour commencer à coudre. Donc, une fois qu'on est là, on va attraper les mailles serrées toutes à chaque fois. Comme ça. Entière. Vous allez voir. Donc, vous prenez les deux petits morceaux qu'il y a à chaque maille serrée. Donc, maintenant qu'on a ça, on va en face où il y a le marqueur, vous voyez, et vous prenez la boule. Que la boule, hein, pas la maille. Et vous tirez. Maintenant, on va dans la boule suivante. Vous voyez. Et je vais prendre la même chose, le corps de la maille serrée. Ici, vous voyez, et vous tirez. Maintenant, je descends en bas et je prends la boule suivante. Vous prenez la boule suivante, vous venez en haut et de nouveau, vous venez dans la maille serrée suivante, attraper le corps de la maille serrée et vous tirez. Vous allez dans une boule et vous venez prendre le corps de la maille serrée de nouveau. Vous venez dans la boule en bas et vous prenez le corps de la maille serrée suivante. Et vous allez coudre votre sac de cette façon. Et en fait, vous voyez, le relief va être maintenu. Donc vous continuez, vous voyez, jusqu'à unir tout votre sac. Alors, vous allez coudre jusqu'à... Donc vraiment maille avec maille. Il ne faut pas vous tromper, sinon ça va décaler l'ouvrage. Et il faut que ici... il y ait les 15 mailles avec les 15 mailles, vous voyez, d'ouverture. C'est là où il va y avoir l'ouverture et les anses. J'ai terminé de coudre tout le tour. Donc maintenant, une fois terminé, ici dans la dernière maille, vous avez vu, ça fait comme un nœud. Donc vous allez tout simplement passer à travers le nœud et en fait rendre ça le plus joli possible. Vous voyez, en fait, ne vous cassez pas la tête, ça c'est bon. Donc maintenant, vous faites un petit nœud. Vous tirez bien et ce petit nœud, on va tout simplement le cacher à travers l'ouvrage. Donc jusqu'à là, vraiment très facile. Donc vous le cachez. Alors beaucoup, hein, c'est un sac. À chaque fois que c'est un sac, vous voyez, on n'est pas en train de parler d'un petit panier qu'on va mettre dans un coin dans la maison ou quelque chose comme ça. À chaque fois que c'est des sacs, vous savez, on les utilise tellement les sacs. Et du coup, on ne veut pas que les fils, d'un coup, avoir une surprise de voir un fil qui sort, etc. Donc patience, ça prend 3 minutes et vous êtes tranquille. Donc vous le cachez un bon moment, le plus possible en fait. Et vous pouvez faire, vous voyez, passer de l'autre sens. Comme ça, si un jour il veut s'échapper, il ne pourra pas.
Une fois que vous avez caché le fil bien comme il faut, vous allez tout simplement couper ce fil. Et là, nous avons cousu le sac. Vous voyez, vous avez l'ouverture. Vous pouvez passer la main, chercher ce que vous voulez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui coudre des anses. Donc moi, ce que je vous recommande, ce sont ces anses. Donc elles sont en bois, vous voyez. Et elles font super jolies avec le trapixel. Ça fait ressortir la couleur que vous allez choisir. Que ce soit un fantasy ou que ce soit un uni. Vraiment, elles sont très belles. Vous voyez? Donc ça, c'est exactement les anses que je vais mettre. Donc une de chaque côté. Une là. Et une ici. Et là, mon sac sera fini complètement quand on aura terminé de coudre les anses. Vous voyez? Je me suis préparé, vous voyez, un morceau de trapixel avec au bout un nœud. Donc on va faire un double nœud, comme ça on est tranquille. Et vous voyez le nœud, on va le passer à l'intérieur en fait du sac. Donc on vient se placer à l'ouverture. Et vous devez bien calculer votre coup pour que les anses soient parfaitement cousues. Donc vous prenez. Et on va venir donc les coudre en passant un petit peu ici. Vous voyez, je laisse une petite marge au moment de coudre et pas trop au bord. Donc par ici, ça sera bien. Vous voyez, en fait, je me plaque entre le premier rang et le deuxième. Donc, je regarde parfaitement. Donc là, je vais laisser 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, j'ai laissé 2 mailles de chaque côté, vous voyez, à partir de l'ouverture. 1, 2. Et de l'autre côté, je fais pareil. Maintenant, je viens piquer avec le trapixel. Vous voyez? On ressort le fil, le nœud est resté de l'autre côté. Et on va venir piquer en dessous. Et vous rentrez. On revient vers le haut. On remet bien toujours tout à sa place pour être sûr qu'on fait les choses correctement. Et on recommence. On vient piquer en dessous. Et on tire. Et vous allez faire ceci, vous voyez, dans les deux côtés, de chaque côté en fait. Vous allez coudre vos anses. Quand vous avez terminé de faire quelques allers-retours, ce que vous devez faire, c'est faire un nœud de l'autre côté. Cachez le fil et c'est terminé. Donc vous mettez vos anses et on se retrouve pour le résultat final. J'ai terminé complètement mes coutures. Donc regardez, dedans, vous voyez là c'est fermé. Vous déclipsez quand vous voulez prendre votre téléphone ou prendre votre porte-monnaie. Et ensuite vous avez juste à clipser. Vous voyez, et ça reste fermé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Donc moi, personnellement... Donc, je l'adore, je le trouve juste magnifique, super à la mode. J'adore la couleur bleue aussi, parce que ça va avec les jeans, ça va avec les robes, ça va avec... Enfin, vraiment, ça fait bien été. Vous pouvez le faire très bien avec un coton, avec un trapixel fantasy, sans aucun problème. Et voilà, donc de la couleur que vous souhaitez. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!